Festival d'Avignon 2015. Plus de 1000 spectacles. Un en particulier a retenu mon attention. Je n'ai pas de nom, de Christophe Tarkos, interprété par Soumet Ahmed. Positif, yes, la force. Voilà. Je le retrouve au Conservatoire d'Avignon, où il se produit tous les soirs. Alors, bonjour, bonjour. Ah, ben voilà, c'est ma petite cabane, comme on dit. Et tous ensemble, on va remplir ce soir cette salle. On va y aller jusqu'au bout et ce soir, il sera rempli. Ça, moi, je vais y aller jusqu'au bout de la mer bleue. Je vais chercher un poisson bleu. Ciao, à plus tard. Je n'ai pas de nom, je vis. C'est Renaud Lama, tous les deux, ensemble, en même temps, la même main dans la main, avec la même force en milieu entre toi et moi, un énulix serrage de main. Nous allons tous, ensemble, nous serrer la main. Alors, j'ai rencontré un homme de merde. Ma langue est musicale, ma langue est poétique. Je l'ai bien regardé et il était fait tout en merde. Ma langue est musicale, ma langue est poétique. Ma langue est musicale, ma langue est poétique. Je gonfle depuis 30 ans et ce n'est pas encore fini d'être gonflé. Ça m'ennuie pas de gonfler. Je me demande quand même s'il n'y a pas une fuite. Je l'ai bien regardé et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un gros bonhomme de merde. Ma langue est musicale, ma langue est poétique. Ma langue est musicale, ma langue est poétique. Ma langue est musicale, ma langue est poétique. Mon amour, ma chérie, ma beauté. Je t'aime! Je veux te parler! Je suis la vie, je suis la vitalité, la vie vivante, l'énergie nouvelle, la nouveauté, le sang frais, la jeunesse du pays, la force vitale, la jeunesse au travail, l'espoir au travail. Ma langue est musicale. Un spectacle où les spectateurs ressortent avec le sourire et les yeux brillants. De ne pas avoir de nom, qui n'a pas de nom? Tout le monde a un nom, donc qu'est-ce que c'est cette recherche? Qu'est-ce que c'est ce sens que Soumet Ahmed a voulu nous transmettre? Je trouve super, il joue avec toute son énergie et c'est vraiment fantastique. Que dire de ce spectacle? C'est magnifique, c'est un spectacle très fort, très puissant. Très ému et par le travail de performance d'acteurs. Qui est faite et surtout cette énergie incroyable qui est pour moi une transmission de la vie, une ode à la vie. Ce spectacle c'est une ode à la vie et je vous le recommande vivement parce que c'est un régal. Sinon j'ai qu'un mot à dire, c'était super. Moi je mettrais un 100 sur 100. C'est vraiment moins plaisir. Je ne connaissais pas, c'est un très beau texte, très bien servi par son maître. Il y a cette folie. Superbe énergie du comédien. Énorme. En me promenant dans les couloirs du conservatoire, je découvre toute une exposition de photos sur la création du CCAC, Centre culturel artistique des Comores, ainsi que les Comores elles-mêmes. Ce petit archipel se trouvant entre le continent africain et Madagascar. Me voilà curieuse et décide d'en savoir plus sur le créateur de ce centre, Soumet Ahmed. C'était un élève absolument adorable qui s'est prêté en plus à un travail très très rigoureux, très très loin de ce qu'il avait connu parce qu'il bougeait bien comme une liane des Comores. Mais par contre, quand il s'agissait de dire des alexandrins ou de travailler, je ne sais pas moi, Bernard-Marie Coltès, il a fallu qu'il acquiert une drôle de rigueur occidentale, on va dire. Et il était toujours très très prêt à travailler. Il était toujours super bien habillé, Soumet, sur le parvis. On savait qu'il avait des difficultés à vivre et il était toujours d'une élégance. C'était vraiment un prince, quoi. Et quand les gens n'avaient pas le moral, on le regardait. Regardez lui et il suffisait de voir son sourire et il remontait le moral à tout le monde, quoi. Donc... C'est moi et mon mari qu'on l'a encouragé de venir. Car au début, il a dit non, c'est cher, ceci, cela. Ah, c'est sûr que c'était cher. Et moi, je lui ai dit, tu viens, on verra ce qu'on peut faire. Je me rappelle très bien. C'est un comédien qui, en plus, a du courage parce qu'il se bagarre tous les jours pour faire exister le théâtre aux Comores et c'est pas facile. Et puis, il a cette volonté de transmission pour que la génération suivante soit un peu plus à l'aise. Donc, c'est un pionnier, quoi. Voilà, c'est un défricheur. Et là, c'était vraiment une belle rencontre, quoi. J'étais vraiment très touché humainement. Et
voilà, dans tout ce qu'il est, quoi, en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, dans sa générosité, son énergie, cette espèce d'urgence vitale, quoi, de dire, de partager, de chercher la rencontre, quoi, avec l'autre. Et il est généreux, il est tellement généreux. Tout ce que j'ai à dire. Prise dans ce tourbillon de culture, je m'aventure dans leur quotidien du festival avec Thomas Bréhin, directeur d'acteurs du spectacle et régisseur général du CCAC durant le festival, et Dagenus, son assistant. Tanza, ni bui matsunu nilijua shanganzuko sisa matuzi tanza Nituweze mbiho nike karibu no mwezi shemindu Tusisa mizi titanga no tanga hunu kuzo ufanya Tutsuru tuwe nanga Mbaba wanzori vunzele sutu avoka wanzori huze mnashiunga Harinendele hama ori honga kuhazi Nga mjweli wanjentuwe mahatsa hudahoni Ngami mhara Gazinta uharara Heni sana fikirila kwasa kwasa Shemesha renshi hunu zirani hawajibu wami juu Kanshire nto matsotsingo nwanisa no vazengu ibidirire ro hobarini ilene segura imaisha safaram safarati uyeshintana nane masiu dabiri sinchi maisha bisi arenge mtu tukantsushinda gari chokazana maisha rishi unukati mangu Shangaricho wadi, mbura salama, msafara, safara. Safara mwemandu mdu ya henda reche Tiju hanza ni reche Hulu kozilo nyangunga msibu mtana na masihu Mahamine ranzilo hunu ntsona na rejeza Isho na huza kuchomba ulekeza ziru wa jina Oda honu wa romi honu wa himi kwa tulinda mdu tutindami Mahayenjeza tilimu wa tutatano Voilà, donc du coup, voilà, on vient manger tranquillement ici, on mange bien ici, voilà, donc exceptionnellement. Sinon, le midi, on mange des bananes, des pommes, des trucs comme ça, quoi. Et après, tu te reposes un peu, puis tu fais les dernières accroches, les dernières tests techniques, tu te chauffes, tu prends ta douche et tu t'habilles et tu joues. C'est ce qui ne va pas, ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Le spectacle peut partir très loin à un moment. Personnellement, je me suis cassé la jambe. Il boite depuis tout à l'heure. Ça fait une demi-heure. On ressort pas un thème du spectacle. Ça c'est pas très dynamique. Oui, on s'est mis à danser, c'est pour ça que. Un petit peu. Ce sera bon, go. Alors, je n'ai pas de nom à un spectacle monté avec Soumet Ahmed, un comédien comorien qui a été formé au Conservatoire du Grand Avignon. Bah, Soumet est quelqu'un de très discret, ouais. Quelqu'un de très dégourdi, qui est enfin, très imaginatif, etc. Enfin, extrêmement doué, brillant, bon, c'est tous les prix qu'il a obtenus, c'est bon, c'est pas la peine d'en parler, tout le monde le sait. Mais par contre, il a un côté ouais, discret et même timide. Et l'année dernière, lorsqu'il était venu à Saint-Laurent-des-Arbres, ici à côté dans le Gard, faire son spectacle, avec l'association qui le soutient entre autres, je lui ai proposé de le faire au conservatoire. Et puis ensuite, je me suis dit, bah, ça serait quand même intéressant justement que... Puisqu'au conservatoire il n'y a pas de spectacle, que là on puisse prouver que des anciens élèves ont réussi et puis
voilà, puis il y a toute cette dimension territoriale, les Comores ici. Donc Jean-Yves Pic est allé en mission d'expertise il y a, je sais pas, 2-3 ans. Et pour moi, c'est tout à fait logique qu'on puisse les accueillir ici, pour montrer ce que le conservatoire faisait, au-delà des études. En voulant rencontrer l'homme qui était parti soutenir le projet, les cigales nous ont fait l'honneur de chanter à cœur ouvert. Ce ne seront donc pas elles qui seront sous-titrées. Mais je l'ai vu débouler dans mon bureau et il me dit très simplement « Voilà, je voudrais venir me former à former. Je sais que j'ai dépassé l'âge, il avait déjà 27 ans. » Et il avait déjà un parcours théâtral. Et c'est par la Réunion qu'il est rentré en contact avec le conservatoire de la Réunion. Et ce qui était très très bien, ce que je trouvais, c'était que Soumet voulait retourner au théâtre. Pour y créer, et c'est là où il commence à me parler du CCAC, en disant je voudrais me former à former, pour aussi ouvrir un centre de création artistique et culturelle à Moroni au Comores. Tu la reconnais ? Ah ouais, je suis banque. Allez, hop, on marche. Et donc il est rentré en SPE tout de suite, enfin sur le site CEPIT. La première année, je crois qu'il en a chié parce que il était financièrement, c'était compliqué quoi, pour lui. Il en a chié, il a été bon. Et nous, pendant ce temps-là, avec le conservatoire, on a commencé à monter une sorte de partenariat, c'est-à-dire pour soutenir ce projet qui nous paraissait vachement bien. Avec le Léal, avec le Cervantes, on a essayé de récolter des fonds. Avec les cheminots aussi, quand il y avait des spectacles, on faisait des vidéos, etc. Et ça, c'est pour soumettre, parce qu'on s'est aperçu assez tard, parce qu'il était très discret là-dessus, que. Je ne sais pas quoi. Enfin, là, je ne présente pas, enfin, la première année. Donc voilà, tout le monde s'est organisé un peu, il a été assez soutenu. En 2012, donc c'était en 2010 quand il est arrivé, en 2012, moi je suis parti à Moroni pour l'inauguration de ce centre. En 2 ans, il avait réuni les gens, Malèche, les Seda, enfin tous les gens que je connais. Bah, c'était très émouvant parce que c'était quand même dans des conditions compliquées. Et que c'était vraiment les prémices. Quoi. Donc tu avais cette histoire fabuleuse de ce hangar frigorifique, enfin, tu vois, où il était déposé l'accident d'avion, enfin, c'était une chambre froide, enfin une morgue, enfin, il y avait un passif assez lourd, et puis il y avait pas mal de difficultés aussi sur le terrain, sur donc on voyait des gendarmes arriver, enfin, bon, c'était assez rigolo. Et la dalle de béton devant, voilà, mais il y avait une énergie que Soumet avait. Merci. Que Soumet avait su fédérer avec les Malèches, avec les Sida, tout ça, avec les artistes, et ça c'était très joli. Ceci dit, pour lui, c'est compliqué parce que s'il ne s'investit pas complètement, c'est compliqué à tenir, et en même temps, s'il s'investit trop complètement, pour lui, financièrement, tout ça, c'est compliqué. Donc il est obligé de jouer sur pas mal de tableaux. Enfin, il s'en sort bien, l'animal, ça va. Il est bardé de médailles, ça va. Il va même plus pouvoir marcher tellement. Non, mais c'était une belle. C'était passé, ça reste toujours une belle aventure. Et il y a eu aussi Thomas,
puisqu'on a fait une tournée en automne à La Réunion et puis du jour à Mayotte. Et là, c'est à Mayotte, c'était super parce que la fille était aussi son élève, Thomas. Majdib qui était aussi un ancien élève, mais pas de mon temps. Ils ont créé un lieu à Fanny Kelly qui est devenu maintenant le lieu théâtral de La Réunion, de Mayotte. Et ça aussi, c'est vachement. C'est très émouvant. Enfin, c'est plus, si tu veux, moi j'étais en mission par le conservatoire, bon, disons, comme ça. Ensuite, sur le plan du financement, ça n'est pas très possible, mais c'est sur le plan un peu de. Il y a eu le président de l'université de Moroni qui est venu, qui a été reçu ici, il y a les notables de Comor qui ont été reçus pour créer des échanges qui n'ont pas forcément dit, c'est toujours assez compliqué. Mais c'est plus de l'ordre de l'entre-gens, si tu veux, du soutien. Plus que du soutien financier, voilà, parce qu'il n'y a pas les possibilités. Mais ce très beau projet de CCAC, ça fait déjà 5 ans, donc peu de gens pensaient que ça, enfin, ça fait 3 ans en gros, peu de gens pensaient que ça pourrait fonctionner. C'est dans la durée que ça va venir. Il faut tenir bon, quoi. Il faut que les gens s'investissent, pas que soumettre, que les gens s'investissent beaucoup plus. Et je lui souhaite vraiment le meilleur. Et il y a bien sûr. Je ne fais pas de soucis. Plus, c'est un hasard ce spectacle ici, comme ça. J'avais pas compris sa dimension de dans le monde, voilà, avec les Comores qui se retrouvent au centre ici, avec son engagement, avec la création de ce centre culturel. Enfin, je trouve ça étonnant tout ce qu'il a, tout ce que Soumet a pu créer ici, à Avignon, avec le conservatoire. Et puis nous, la SACD, on en est très fiers aussi. Me voilà de plus en plus touchée par tout ce qui se passe autour de moi. Tous ces acteurs culturels qui ont su offrir la parole à ces artistes venus d'un pays qui m'est inconnu. Je décide d'aller moi-même les rencontrer. Comment, oui, c'est ma première fois en Europe, carrément. Tu es artiste peintre ? Artiste peintre, entre autres. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais d'autre ? Je slam, je dessine. Je joue un peu d'instrument. Moi, en fait, je suis de ceux qui pensent que l'art, l'encre, ne peut cacher les sentiments liés aux pensées dévoilées, rayonnantes comme l'été. Parfois un peu tremblante, d'une gorge nouée, quelquefois en plante ou l'air décalé. Et livre à son auteur les mots de cette terre et de cette vie. Donc ce soir, on va se lâcher avec les mots et voyager. Donc quoi, donc là tu es venu présenter tes œuvres sur Avignon. C'est Soumet qui t'a proposé de venir sur Avignon ? Oui, exactement. Oui. C'était en fait... Vu qu'il avait carte ouverte pour le conservatoire, donc il s'est dit qu'il va essayer de ramener un peu la masse CCAC et Comore pour venir présenter tout ce qu'on fait. Et tu peins depuis combien de temps, toi ? Alors, la peinture, pas depuis très longtemps, mais par contre, le dessin, je suis dedans depuis toujours. D'accord. Et le slam ? Le slam, je slam depuis 2007. Où j'ai commencé à slammer, après avec un petit collectif de potes, on était 5, on a créé le premier club de slam en 2008. Donc tu disais que c'était la première fois pour toi à Avignon, et tu le ressens comment ? C'est pas, je suppose que tu avais une idée d'Avignon avant de venir ? J'avais une petite idée, mais franchement, ce que je vois, c'est exactement ce que je voulais voir. Donc, c'est une ville un peu... Moi j'aime bien l'expression folle, dans le bon sens du terme. Mais
c'est vraiment une chouette expérience, voir tout ça, tout ce monde dehors qui se bat, qui tracte, qui chante, qui... C'est assez cool, j'aime bien. Voilà, je vois derrière toi, il y a un petit tableau. J'ai essayé de travailler un relief avec Seda. À la base, sur cette expo, c'était une expo de Seda, mais il nous a invités à aller travailler et en même temps faire un partage de techniques, d'où j'ai appris un peu à travailler un relief avec lui. Coller de la matière, peindre avec. Donc, j'aime bien. C'est une chouette expérience que j'ai eue avec Seda. Ben, dernier mot, je dirais la force pour tout le monde. Oui, j'ai travaillé sur les thèmes de la coiffure dans l'océan Indien en particulier. J'ai travaillé avec deux plasticiens de La Réunion. On a fait une exposition au CNDRS à Moroni. J'ai aussi exposé au CCAC. C'est là où j'étais en résidence pour créer ce travail, ces tableaux. J'aime bien partager, échanger avec des artistes d'ailleurs. Par exemple, quand je faisais je réalisais ce projet, j'avais pris deux artistes avec moi en résidence pour les initier au travail de la matière dans la peinture. Notamment, j'ai travaillé avec Gamil, qui est dessinateur, slameur, infographiste. J'avais invité aussi Zainou, qui est dessinateur et il fait aussi de la vidéo. Donc je les ai pris en stage durant ma résidence pour les initier au travail de la matière dans la peinture. Bien, c'est une très longue aventure. Ça a commencé depuis le projet du montage du CCAC. Un projet qui a été initié par le comédien Soumet Ahmed. Donc il a eu l'idée, il est venu l'exposer à tous les artistes à Moroni. Donc moi j'ai sauté là-dessus dès le début, ça m'a intéressé. Du coup on a monté ce projet ensemble et puis il a été invité dans ce festival cette année et il a trouvé mieux d'inviter ses collègues artistes de Comores pour venir montrer les talents qui existent. Donc, je me retrouve avec la famille. Quoi. Je suis là avec Malej qui est musicien, avec Dadjenus Gamil qui est slameur et Soumet Ahmed pour le théâtre. C'est une très belle aventure que je trouve que ça passe rapidement, quoi. Ça passe très vite. Mm-hmm. J'aurais aimé rester là un bon moment, continuer à partager, à échanger avec les gens. Quoi. Wali atala taf, kotwa maya obwenge. Alors, je peux mettre mes lunettes, non? Oh oui. Si tu es ébloui. Pourquoi t'as trop de soleil ici? Oh, pas trop de soleil. On est bien à l'ambiance frais. Mais j'ai les yeux un peu du matin. Ah ouais? Je me suis réveillée à 13h. D'accord. 13h30. Tu t'es couché tard? Mais comme d'habitude. Je ne peux pas me coucher tôt. Ah, durant le festival, on n'y arrive pas. Hein. Ouais. Moi aussi, j'arrive pas à me coucher tôt. Mais même sans festival, même chez moi au Comores, 4h du matin, toujours, 4h30. D'accord. Ouais. Pourquoi tu joues le soir? Tu es inspiré le soir? Ben, le soir, dans le calme, je me regarde aussi. Mm-hmm. Je me pointe du doigt. Je récapitule. La journée est passée. Et puis, je joue de la musique. C'est le temps, mon temps libre, où il n'y a pas quelqu'un qui vient. Odi, ça veut dire il y a quelqu'un. Ouais. Il n'y a pas ça. Il y a tout le monde dort et le monde est à moi. Je fais une musique qui est un peu personnalisée. Je n'ai pas appris la musique à l'école, je n'ai pas appris la musique, mais j'ai appris un peu par là, et surtout par imitation. J'ai beaucoup imité, et c'est ça qui m'a développé mon oreille musicale et mon esprit musical. Totalement autodidacte, en fait. Autodidacte, carrément, ouais. Et puis après, j'ai appris
des noms des accords. Mais il y a tellement d'accords que je ne connais pas, mais que je les joue, que pour moi c'est le son, je suis un chasseur de son mélodique, voilà. C'est joliment dit, ça. Ma mère déjà, elle est ougandaise, donc moi je suis inspiré en tant qu'Africain, mais surtout de ce côté de maman ougandaise. Et mon père a toujours travaillé en Afrique de l'Est. Mon père était plutôt beaucoup plus anglophone que francophone, il parlait très très mal le français. Et je suis aussi de ce côté de cette musique venant du continent, et notamment le soukous. Il y a le soukous congolais, mais il y a le soukous tanzanien, kenyan et tout. Ouais. Mais à l'époque, je captais la radio pour pouvoir écouter des choses, juste pour, pour moi. Mais aussi, il y avait de chansons de Johnny Hallyday qu'on écoutait. Claude François et tous ces tubes, ouais, françaises de l'époque, que nous on avait accès que par le cinéma. Ouais. Il y avait une salle de cinéma à Moroni. On allait chaque samedi, en ce moment nous envoyait au cinéma, et dans les actualités, on voyait donc les Beatles, Johnny Hallyday, Mike Brandt, tout ça. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la chanson pour apprendre à jouer déjà la guitare. Mais il y avait aussi la musique malgache, puisque les malgaches avaient beaucoup d'avance par rapport aux Comoriens. Les Comoriens ont appris à jouer de la guitare à travers les malgaches. Et sinon, là-bas, les gens jouaient du oud, des violons et des percus, un truc très très arabisant. Mais nous avons aussi nos chants traditionnels, nos musiques traditionnelles. Chaque île est tellement riche en musique traditionnelle et tout ça, ça te fait un truc dans la tête, et c'est ça qui a fait que ce que je suis aujourd'hui, voilà, c'était du rock, c'était du blues, c'était de la soukous africaine, c'était les genres Bob Dylan, Simon and Garfunkel, et puis aujourd'hui je suis toujours curieux d'entendre d'autres musiques, comme la musique chinoise. Je sais pas comment le... Mais c'est pour avoir du son. C'est assez récent, la création du CCAC que Soumet a mis en place. Ouais. T'as rejoint cette aventure quand? Dès le début, t'étais là? Ben, dès le début. Dès le début, j'étais là. Parce que moi aussi, j'ai... Mon expérience, je l'ai partagée avec pas mal de jeunes. Aujourd'hui, à Moroni, tu vois pas mal de jeunes qui ont des guitares. Mais la première chanson... qui commence à prendre, c'est du malèche, et il continue dans ce sens-là pour pouvoir, des fois il débarque à la maison, mais j'ai formé aussi pas mal de jeunes qui aussi font leur parcours, et c'est ça, la transmission dans ce genre de choses. Quand on est artiste, Dieu aurait pu faire à ce que tout le monde soit artiste. Mais moi, je dis que quelque part, tout le monde est artiste. Chacun artiste dans son domaine. Mais si on te donne, on t'envoie quelque chose, ce qu'on appelle après, c'est un talent, un don. Mmh. C'est fait pour le partager, pour qu'enfin ça puisse exister et que ça ne soit pas un truc qui va être en voie de disparition très vite. Et puis après, ces jeunes-là aussi, par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils vont vivre, par rapport à l'expérience de la vie, tout simplement, ils auront d'autres choses qu'ils vont eux aussi après développer. Comme moi, j'ai écouté des tas de choses et j'ai développé un style personnel à moi. Le CCAC, c'est donc aussi une conscientisation d'une jeunesse qui n'a pas du tout de repères culturels. Un pays qui néglige sa culture, on peut ramener tous les sous qu'on veut, on peut faire tout le développement qu'on veut, mais la culture, c'est les racines même d'un peuple. C'est même le visage, même la façade d'un peuple. Et ça, nous avons ce gros problème aux Comores. Parce qu'on dirait que... c'est comme si... je n'aime pas parler des autorités, parce que tout le monde dit des autorités, oui, mais quelque part, on ne peut pas parler d'autres personnes, des autorités. Nous avons le CCAC, on n'a pas de soutien du tout au niveau de l'État.
Moi, je suis ambassadeur de la culture, mais pour voir le ministre, c'est pas facile. Ouais. Pour voir la directrice, elle nous dit toujours, ah non, c'est pas moi, c'est le ministre qui doit être l'intermédiaire entre l'artiste, les artistes, le monde culturel et l'État. Donc, et c'est pourquoi on s'est dit, on va pas croiser les bras, on se démerde, voilà, que se mette à créer son réseau à Avignon. On s'est dit, bon, alors, si on peut y participer. Et participer, c'était difficile, mais comme nous avons une bonne intention de pouvoir porter la culture comorienne et l'artiste comorien surtout à l'étranger, il faut qu'on utilise tous les réseaux possibles. Mais là, s'il n'y avait pas la coopération française de Moroni, l'ambassade de France ne nous avait pas aidé, je me demande comment on aurait pu venir à Avignon. Mais on espère rentrer à Moroni, essayer de se secouer, mais je ne sais pas comment on peut les secouer. Les secouer, c'est de prendre encore plus de jeunes, les conscientiser, leur mettre sur ce chemin, parce que c'est ce chemin-là qui fera d'eux des gens qui ont une sensibilité déjà, ça c'est très important, une sensibilité, mais leur ouvrir aussi par rapport au monde. Aujourd'hui, avec l'Internet et tout ça, tu sais, le monde est devenu tout petit. Donc on ne peut pas rester sur notre petit comore là et se croire que là-bas on est on est l'ombril du monde. Il se passe des choses dans le monde que nous aussi on doit apprendre comment les gens font pour qu'on puisse aussi développer notre culture. Et c'est pourquoi on s'est mis avec Soumet et les artistes comoriennes, ceux qui veulent bien venir au Saint-Baptiste, parce que des fois les artistes aussi sont chacun son star dans la tête, il est star dans sa tête. Et donc on essaye aussi d'encadrer des jeunes et de leur faire savoir qu'il ne suffit pas de faire de la musique ou faire du théâtre, il faut s'y mettre et mettre le paquet. Alors comment j'en fais beaucoup d'actions, je continuerai toujours à le faire, mais là à cause de la crise, une crise d'électricité que nous vivions depuis des années, nous vivons une crise d'électricité. Avant, ça allait encore, on pouvait aller en brousse dans les villages, pour jouer pour des associations de femmes de village. Ouais. On pouvait aller jouer pour une association sportive, pour une association des jeunes qui veulent, par exemple, monter une bibliothèque au village, ou monter une radio libre au village pour que tout le monde puisse s'exprimer. Mais puis après la crise d'électricité, ça ne nous arrange pas. On n'arrive pas à continuer le travail. Et ça, c'est du travail. La plupart du temps, on allait faire du bénévolat. Et il y a des moments où on demandait juste une petite participation, histoire de ce que tu m'en dis pas une cigarette le lendemain. Donc tout ça, il faut que l'État revoie ça. Au lieu d'acheter des 4x4 tous les jours et des machins et des voyages. Mais ces voyages-là, pourquoi ils ne viennent pas à Avignon pour voir un peu du théâtre? Moi, ça leur arrive. Pourquoi ils ne vont pas dans ces voyages-là, curieux, de rentrer dans une salle où il y a un concert, où il y a des choses comme ça, que l'homme s'exprime et que pour qu'on puisse... Mais je ne crois pas que les Comores pourront... Je ne crois pas que les Comores pourront avancer rien qu'avec des boubous et des kofias. Les kofias, c'est le bonnet comorien. Et le maoré ne voit pas les choses comme ça. L'anjouané ne voit pas les choses de cette façon-là. Et peut-être même le moédien, mais le grand comorien, il est en même temps le devant. Mais même en même temps, aujourd'hui, nous avons des tournants. Enfin, le pays a vraiment besoin intellectuellement qu'on révise un peu et qu'on ne mette pas quelqu'un parce qu'il est notable sur un poste ministériel ou député ou machin. On a besoin aussi d'une nouvelle blague, du sang nouveau pour faire avancer le Comore dans l'ère actuelle du monde. Optimiste, je ne sais pas, si Soumet l'est, moi je me bats. Mais l'optimisme est très très loin parce qu'il faut qu'on mise sur l'éducation. Faut miser sur l'éducation et voir ce truc à long terme. À long terme, je veux dire qu'il faudrait qu'à chaque 5 ans, ça c'est le mandat présidentiel de la tournante, chaque président il a 5 ans de faire,
qu'on puisse voir où est-ce qu'on est parti, d'où on est arrivé, où. Non, il ne faut pas laisser. De toute façon, quand les profs, les instituteurs, les fonctionnaires ne sont pas payés, mais comment veux-tu qu'ils travaillent 4 mois, 5 mois sans payer les gens? Comment veux-tu qu'ils travaillent si l'instituteur ne trouve pas quelque chose à voler, comme le ministre lui fait des détournements, la présidence, le président, le machin, l'armée, tout le monde vole, tout le monde est devenu voleur. Mais comment... Oui, c'est facile de voler, là, tout de suite. Et tu voles, tu es riche, tu peux mourir, AVC, crise cardiaque ou machin. Et ton fils, tu lui as laissé quoi? Tu lui as laissé quoi? Et donc, il faut miser sur l'éducation au pays. Et il faut oublier toutes ces histoires de gaz qu'on parle, comment il y a du gaz, il y a du pétrole, machin. Moi, je prie à ce qu'on ne parle pas de ce truc-là et qu'on mise tout ce qu'on peut faire pour l'éducation de la jeunesse, des enfants, une propre éducation, pour qu'on puisse à long terme pouvoir avoir des élites éveillées, qu'on puisse vraiment prendre notre pays en main, et non pas attendre que la France fasse ceci pour nous, que les Saoudiens viennent faire cela pour nous. Il faut qu'on se prenne en main. Et il n'y a que l'éducation. Je tiens à remercier Avignon pour avoir donné à Soumet ce qu'il fallait pour encore aller de l'avant. Et puis après, je remercie aussi la coopération française de nous avoir compris, de nous avoir aidés à venir jusqu'à Avignon pour qu'on puisse parler des Comores, parler de l'artiste comorien, pouvoir aussi faire encore d'autres connaissances, ça peut toujours servir pour demain. Je suis content et ému de savoir qu'à Avignon, il y a aussi des Comoriens qui habitent, mais aussi des frères maorais qui sont là, ils sont tous là, et c'est vivement les Comores. Et vive la France aussi. Et vive la France. Et vive la coopération. Après ma rencontre avec Maha Alèche, qui est une référence pour tous les Comoriens vivant aux quatre coins de la planète, ce sont d'autres artistes issus de la francophonie qui se sont confiés à moi. Notre rôle, comme ça, je pense que c'est trop ambitieux. En fait, l'envie que nous avons, ça c'est autre chose. Et c'est là, je pense que c'est la chose la plus fondamentale. L'envie qui est née à partir de cette rencontre, c'est que nous avons envie de continuer une collaboration, de travail, de recherche d'amour, parce que nous sommes artisans de la création artistique du théâtre. On ne peut plus parler du monde francophone sans que les acteurs de la francophonie, puisque nous sommes par notre métier l'un des plus grands promoteurs de la langue française. Il n'y a pas de culture sans la langue, et la langue française qui est la langue de notre métier par excellence, au sein de la francophonie. C'est notre outil de travail, mais c'est aussi un patrimoine. Puis, même s'il est immatériel, s'il n'est pas tangible, c'est ce qui nous fonde, c'est ce cordon ombilical. Nous, on se saisit de ce cordon ombilical qui est notre outil de travail, notre langage de communication, puisqu'il parle chinouchi, chimaoré, et arabe. Moi, je parle 5 langues des 39 du Togo plus le français. C'est le premier vecteur qui fait qu'on arrive à s'entendre de manière sonore, mais on se comprend puisque nous portons la même chemise, ça veut dire que nous portons la même pensée, mais il faut qu'elle soit universelle. Donc pour avoir une pensée universelle qui soit raccordée, veut dire déjà qu'on se rassemble dans le travail, qu'on pense aux exigences qui nous attendent, qu'on réfléchisse ensemble au sujet que nous questionnons, parce qu'on ne peut pas se questionner seul pour l'autre, au nom de l'autre, sans le consulter. Et il y a un proverbe en Afrique qui dit qu'un seul bras n'entoure pas le baobab. Pour revenir à ce qu'il fait,
son maître, c'est une folie heureuse. Il n'y a pas de projet de bonheur sans projet formel. Donc un projet formel veut dire un projet et un cadre. Un cadre et des partenaires. Et un cadre avec des gens associés avec qui on va travailler. Donc, et je m'inscris dans cette dynamique-là avec beaucoup de plaisir et de bonheur parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. On vient de faire 5 semaines de résidence à Mayotte. Je ne m'entends pas ne pas le faire très prochainement comme moi. Avec le CCAC, avec Soumet. Sinon, j'aurais rencontré une partie de la famille sans rencontrer les autres frères. Au nom de quoi? Pourquoi faut-il les exclure? Et donc, dans son énergie, dans notre énergie à nous, parce qu'il faut dire, hein, chacun aussi a ses convictions artistiques. Lui, il exploite ça. Et nous, ici à Mayotte, on est aussi dans nos recherches aussi artistiques. Mais ce qui est sûr, c'est que humainement, c'est deux... Nos deux envies, en tout cas, c'est la même chose. Hein. Moi, je ne veux pas trop faire un résumé parce que Dawa a tellement exposé bien les choses pour que ça soit très clair. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter si ce n'est l'envie, en tout cas, de toujours travailler ensemble. Et en fait, on ne peut pas avancer, nous, chacun de son côté, sans... C'est comme si on est rattaché, mais c'est vraiment ça. On m'a dit, ah, mais vous faites partie... des artistes comoriens qui sont là cette année au festival, mais c'est bien, hein, vraiment. Je ne pouvais pas savoir, avec ma petite idée de franco-togolais et togolais, hein, d'Afrique occidentale, venant à Avignon, que j'ai visité la première fois en 2007 avec Antoine Bourseiller, et puis jouant ou pas jouant, j'ai toujours été là comme guérin, délégation comorienne. Donc ça veut dire quelque chose, ça n'est pas rien ça. C'est une confusion heureuse. Ça veut dire que l'idée que nous voulons traduire, elle est très forte et qu'elle doit être là et qu'elle doit exister. Et merci à Soumet qui, bravant les intempéries de l'insuffisance d'aide aux artistes au Comores, c'est la même chose que le Togo, défend les Comores. Aujourd'hui à Avignon, ententer au conservatoire à caractère régional d'Avignon, dire qu'il y a des Comoriens, un spectacle sur scène Soumet, il est l'ambassadeur des Comores et des îles de l'océan Indien en ce moment même à Avignon. Dire que j'y suis associé, vraiment, c'est lui qui nous fait trop d'honneur. C'est-à-dire que le Togo, par moi, s'associe aux Comores, Mayotte et toute la francophonie, puisqu'il y a Gustave Akako qui est camarade d'auteur, qui est linguiste. Et ce que fait Soumet, c'est ce que je souhaite que tous nos camarades, d'où qu'ils soient de la diaspora, des dômes, des tomes, de la francophonie, fassent. Et créent des dynamiques et des synergies qui permettent qu'on avance, que nous ne soyons pas clôtrés dans ces régions-là à dire on n'a pas d'aide, on ne nous voit pas. Prenons notre bâton de pèlerin, frappons le mur, avançons, faisons qu'on soumette, j'ai envie de dire. Donc je ne me sens que ragaillardi par l'idée que j'avais. Mieux soutenu, je ne me sens pas seul, et quand on ne se sent pas seul, on pense qu'on fait partie d'une famille, on est heureux puisqu'on attend le Père Noël. Et nous, notre Père Noël, il ne va pas descendre de la cheminée, il est intrinsèquement à l'intérieur de nous, et nous voulons, après s'être habillés de cette manière, sortir et puis rencontrer les autres enfants pour dire Joyeux Noël, avec le théâtre. Mais de Moroni jusqu'au monde entier, voilà. D'accord. Très bien. Rien à rajouter. Vive le théâtre, vive. Et bonne continuation à Soumet. Et... C'est vrai qu'un début d'une belle aventure. Bon, on l'espère, on vous le souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Le dernier témoignage que j'ai voulu recueillir est celui de Soumet Ahmed. J'écoute ce grand homme dans tous les sens du terme avec attention. Et j'ai fait une réunion regroupant presque 30 associations, les artistes de renommée internationale aussi qui étaient là. J'ai fait une réunion en leur disant, écoutez, j'ai une idée. Et ce n'est pas mon idée parce que je pense que tous les artistes comoriens et tous les gens qui aiment la culture, à un moment donné, se sont posé la question de peut-être
comment on va pouvoir faire pour avoir un lieu culturel, un centre culturel. Et donc, du coup, j'ai posé la question et on a décidé ensemble de se battre, d'aller au bout pour chercher ce lieu-là. Et j'ai dit, j'ai 3 semaines, je dois trouver un lieu pour savoir si ça appartient à l'État, tout ça. Et c'est lui qui m'a dit, ben, regarde ce lieu-là. Et donc, du coup, j'ai dit, mais là, je vois rien parce qu'il y avait des arbres, il y avait des carcasses, c'était une poubelle et tout ça. Donc, je rentre dans ce lieu-là, je vois des cercueils et je commence à poser des questions. C'est où, c'est quoi cet endroit-là? Donc, l'endroit se situe dans la mini-zone industrielle de Mavouna, un quartier cœur du Moroni Sud. Et à partir de là, on m'a raconté l'histoire de ce lieu-là, c'est-à-dire c'était des anciennes chambres froides. Et il y a 18 ans de cela, il y a eu un accident d'avion aux Comores, Ethiopian Airlines. Et donc, du coup, l'État ne savait pas où mettre les corps. Et donc, du coup, ils ont réquisitionné ces chambres froides-là et ils ont mis les corps. Et au moment où ils ont enlevé les corps, personne n'a voulu remettre sa viande. Et donc, le lieu a été laissé, délabré, pillé. C'était devenu vraiment un lieu. Il y avait plein de poubelles, des carcasses et tout ça. Et quand j'ai visité le lieu, je dis, oh là, on a un superbe beau bâtiment de 600 mètres carrés et une grande cour. Eh bien, je pense que le lieu, c'est là. Et à partir de là, j'ai convoqué les associations, j'ai convoqué les artistes et j'ai dit, bingo, on a un lieu. Mais le lieu, on ne l'aura pas comme ça, il faut aller le chercher. Et donc, on s'est battu pour l'avoir et en même temps, il y a une force parce que ce n'est pas une main qui a fait, mais c'est tous les artistes, hein, toutes les associations qui sont venues nettoyer. Du coup, est né le Centre de création artistique et culturelle le 12 mars. En présence du gouvernement comorien et de toutes les autorités, on nous a donné les clés de celui-là qui aujourd'hui est le premier centre de création, en tout cas centre culturel au Comores. C'est que c'est pas évident de mettre en place de la culture dans un pays où la priorité n'est pas la culture, dans un pays où il y a beaucoup de pauvreté, dans un pays où les autres infrastructures ne sont pas quand même je dirais pas aux normes, mais pas bien équipés dans toutes les instances. Et aujourd'hui, quand tu veux parler de la culture, ça devient très compliqué. Mais heureusement, il y a une jeunesse, il y a des artistes qui montent, il y a des grands artistes aussi plus âgés qui ont soutenu l'idée, qui ont soutenu le projet. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que le lieu existe. Et ça fait 3 ans que le lieu propose quand même deux choses. Et donc, à partir de là, vu que j'étais tout le temps en contact avec le Conservatoire d'Avignon, j'ai rencontré d'autres personnes, à l'instar de Alain Timard du Théâtre des Halles. J'étais toujours en contact avec la compagnie entreprise de Marseille, avec la Friche Belle Demain, avec l'association Alter M Sol de Saint-Laurent des Arbres, avec Colette, avec Jeff aussi, qui est une association qui s'appelle EWA. Et toutes ces forces-là a fait que, en discutant, en travaillant ensemble, on a quand même essayé pendant ces 3 ans-là ramener des choses aux Comores, ramener de la matière, ramener du technique. Donc il y a eu une super action faite par l'association EWA de Jeff. Il y a eu un conteneur carrément qui a été envoyé aux Comores avec plein de matériel scénique, en même temps des livres pour les écoles. Et le CCAC a fait aussi ce travail-là, d'aller donner dans les écoles publiques ces livres-là, et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, on est doté d'un minimum de matériel pour mettre en place quelque chose. Et à partir de là aussi, il y a eu des formations qui sont venues à travers ces partenariats qu'on a. On a commencé à mettre en place des formations en administration. On commence quand même à se structurer. Donc, on arrive aujourd'hui, ce centre-là a eu lieu, a été créé. Il y a un collectif d'artistes, une association, ça a été monté par une association, et il y a à peu près 4 personnes qui aujourd'hui dirigent ce centre-là. Les objectifs qu'on s'est fixé, en tout cas le collectif d'artistes, c'est de faire rayonner la culture des Comores et aux Comores en replonçant les arts au cœur de la vie de la cité, influer sur la pensée et les actions au quotidien. Et notre mission, c'est de fournir l'espace et les conditions nécessaires à l'épanouissement des capacités créatrices artistiques aux Comores. Et avec ces objectifs, avec cette mission-là, aujourd'hui, je pense que les Comores, on dit que dans nos pays,
les pays les plus pauvres, pas seulement que les Comores, ils disent « Ah, la culture, c'est pas prioritaire. » Eh bien, si, la culture est prioritaire, parce que la misère sociale est renforcée par la misère culturelle. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin de savoir ce qui se passe au monde. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin de se comprendre. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin de se respecter. Il y a une mentalité à changer. Il y a tout ça à faire. Et donc, du coup, on est vraiment lancé dans cet élan-là de vouloir faire les choses avec les gens sur place, avec la jeunesse, avec les hauts et les bas, parce qu'on a un centre aujourd'hui, mais on n'a pas de toilettes, on n'a pas d'administration, on n'a pas un moyen de fonctionnement, mais quand même, on a le lieu et on essaye et on espère que dans peu de temps, le gouvernement, l'État comorien vont se réveiller en se disant, ben, dans cette jeunesse qui a envie de faire quelque chose dans le pays, accompagnons-le, essayez de faire en sorte qu'il ne se décourage pas pour qu'il continue quand même à faire ce que nous, on ne peut pas le faire. Si ça continue en étant un peu un brouillon, ça devient des fois très difficile, et là, c'est là où on va voir des gens qui vont lâcher, on va voir des gens qui ne vont pas fréquenter les lieux parce que ça devient un peu brouillon et qu'il n'y a pas les moyens et qu'il faut aussi générer les moyens. Mais pour générer des moyens, il faut un minimum. Donc ce minimum-là, je pense que c'est au gouvernement de le donner, c'est parce qu'on en a eu déjà beaucoup pour arriver là. Il y en a eu des partenaires qui ont aidé, il y a eu des commerçants qui ont aidé, il y a eu les artistes qui ont aidé, il y a nous-mêmes en tant que porteurs de projets qu'on a aidé, mais on ne peut pas aider suffisamment pour quelque chose de durable. On peut aider sur une action, on peut aider sur un concert, on peut aider sur une création de spectacle, mais on ne peut pas aider sur en mettant en place un salaire, en mettant en place une administration et tout ça. Donc voilà un peu où on en est. L'espoir, je l'ai, parce que j'y crois vraiment aux gens, j'y crois aux idées, j'y crois aussi à ce que les gens ont démontré pour créer ce centre-là. C'est pas rien, quand je vois toutes les photos, quand je vois toute l'historique, quand je parle un peu de cette histoire-là, je dis tout ça, c'est pas rien, il y a de l'espoir, et il faut pas se fatiguer. Il y aura toujours des gens qui vont dire « Ah, ceci, cela », il y aura toujours des gens qui vont dire « Oui, mais vous », il y aura toujours des gens comme ça, on les comprend, mais nous, on les appelle tout simplement à venir dans le dialogue, à venir comprendre ce qu'on fait et de comprendre ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait, c'est qu'ils sont... Ils ne savent même pas ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas seulement qu'on joue, mais il y a d'autres choses et beaucoup de choses qu'on fait derrière qu'ils ne le voient pas, qu'ils ne le savent pas. Et ça mérite quand même des salaires de travail, parce que tu mènes quelque chose pour un pays, tu mènes quelque chose pour une jeunesse. Et s'il n'y a pas de reconnaissance, c'est pour cela qu'il faut beaucoup de patience. Et je crois qu'avec les gens, quand on va dialoguer, quand on va faire les choses vont avancer, vont s'améliorer, parce que les moyens, il y en a. C'est pas vrai. Les moyens, il y en a, l'argent, il y en a dans le pays. C'est juste une question d'engagement, une question d'envie, une question de volonté. Une volonté politique pour faire les choses, parce que les moyens, c'est pas vrai, il y en a les moyens. Donc, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Et j'y crois toujours, hein, j'y crois toujours, ça fait 3 ans qu'on y résiste et on va continuer à y résister jusqu'à arriver au bon port. Mais en même temps, ce qu'on a fait, c'est déjà énorme, c'est-à-dire aujourd'hui, on a trouvé un lieu pour l'art et la culture aux Comores. Si on est là, si on n'est pas là, ce lieu-là restera pour l'art et la culture. C'est ce qui n'est pas évident, ce qui n'a pas été évident depuis très longtemps. On n'a eu aucun lieu et tout a été vendu, les terrains à Moroni. Et donc du coup, ça c'est déjà un énorme gain maintenant. Il faut sauvegarder ce lieu-là. Il faut que chacun investisse, les artistes, la population, les gens du quartier, les mamans, tout ça, il faut qu'ils investissent ce lieu-là parce que c'est à travers la culture qu'un pays se développe rapidement, en tout cas qu'ils prennent conscience des enjeux qui se passent. C'est à travers la culture que nos enfants vont pouvoir aussi réfléchir à comment ils vont s'en sortir. C'est pas parce qu'on a des écoles, c'est pas parce qu'on va à l'école tous les jours qu'on va réussir, c'est faux. Vous allez tout droit dans le mur. La culture va permettre à nos enfants, à vos enfants, de réfléchir autrement et d'être très ouverts. Le jour où ils vont partir à l'extérieur pour faire des études supérieures, ben là-dessus, vous allez voir qu'il sera bien à l'aise pour anticiper les choses. Donc, je pense que les gens devraient comprendre cette démarche-là
et rentrer dans une compréhension, et aussi nous en tant qu'aujourd'hui responsables, qu'on puisse trouver les moyens aussi d'amener ces gens-là, de trouver ce public-là, de trouver ces familles-là, de convaincre aussi le gouvernement sans pour autant les crier dessus, sans pour autant les insulter, parce que ça ne sert à rien les insultes, juste les appeler à l'écoute et au partage, aux discussions, et avancer. Il n'y a pas à insulter les gens ou à dire vous n'avez rien fait, ça n'avance à rien et ça aide personne et ça aide pas la culture. Je pense qu'il faut dialoguer, il faut avancer les choses et essayer de travailler ensemble pour le bien du pays, pour le bien de la jeunesse, pour le bien de nos enfants et pour le bien de nous-mêmes. Le festival se termine. Me voilà témoin du courage, de la force, de la solidarité et de la joie de vivre de tous ces artistes comoriens. Je ne sais comment les remercier, à part peut-être les mettre en image et de transmettre cette histoire en se disant que leur engagement n'est qu'un début. Autrefois on était si bien, autrefois on était si gai. Il y avait plein de papillons, il y avait plein d'oiseaux qui chantaient. Il n'y avait pas de goudron, il n'y avait pas de béton. Où que ce soit si malheureux, où que ce soit soyons heureux. À Moroni, le vendredi, les mendiants en file indienne parcouraient la médina pour une pièce de 5 francs. Le partage si naturel permettait aux gens de s'aimer. C'était le temps du respect des hommes de bonne volonté. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. L'allée, la rosée. Merci, merci. Pole, 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 ni pole, jama, ni pole, pole.